Le vrai premier workout du Challenge Force 5 2014 va être un ascending ladder de 5, 4, 3, 2, 1. Shoulder to overhead, front squat. Comment ça va marcher? On va le mimer puis je vais dire les poids en même temps. Ça va commencer à 65 livres pour les filles. Il y a deux barres, une barre de filles, une barre de gars. Toutes les poids que vous avez besoin sont déjà là. Un 15, 25, 35, 45. À 3, 2, 1, go, l'athlète fille va loader sa barre. L'athlète gars va t'aider à loader sa barre. Fait 15 livres de chaque barre, ça fait 65. Faut mettre les clips, obligé de mettre les clips. Le mouvement, ça va être shoulder to overhead. Fait que ça va pour faire 5 shoulders to overhead. Pendant ce temps-là, l'athlète gars va loader sa barre. Fait que 5 shoulders to overhead, ça part des épaules, ça finit en full lockout en haut. Bien attention de locker les jambes si vous faites un jerk, puis que les bras soient bien lockés. Quand elle en a fait 5, elle dépose la barre sur ses épaules, elle fait 5 front squats. Bien creux des hanches en dessous des genoux, puis elle fait une extension complète. Une fois qu'elle a fini 5-5, elle va faire 4-4, 3-3, 2-2, 1-1. Mettons qu'elle a fini, elle drop la barre. Changer les clips pour que le gars puisse le faire à 95. Le deuxième poids, c'est 95. Fait que juste shoulder to overhead. That's it. Après ça, il fait ses squats. Fait qu'on aurait fait 5. Même chose. Pendant ce temps-là, Mélanie pourrait loader sa barre. Fait qu'elle pourrait déloader sa barre. Le prochain poids pour les filles, c'est 85 livres. Fait que là, on va pouvoir prendre les poids de Joe et les donner à Mélanie. Et ainsi de suite, vous comprenez le principe. Fait que les poids, si vous regardez la vidéo, faites juste regarder le blog crossfitlaval.ca, ben ils vont être écrits en chiffres, ça va être plus facile. Les filles commencent à 65, le deuxième poids est 85. Après ça, c'est 105, 125, 135. Les gars commencent à 95, 135, 165, 185, 205. Le time cap pour le workout, c'est 15 minutes. Bonne chance.